Et maintenant, voici Chico Buarque. Bonsoir. Faut reconnaître qu'il est beau, hein. C'est Pierre Bénichoux qui l'a ramené du Brésil. Ouais. Ça va? Ça va, bien, vous? Alors avant d'être écrivain, vous étiez musicien, chanteur. Ouais. Et la meilleure façon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de présenter Chico Buarque, c'est ça. O mistério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver. Da passagem, a moça triste que vivia calada. Alors à chaque fois on va écouter ce que les Français en ont fait, d'accord? Man in Mexico am Abend zum Karneval geht, wenn sich doch alles, alles, alles. C'est France Gall en allemand. Si Deus te dá, e se Deus negar, negar, eu vou me indignar e chegar. De dará, de dará, de Deus, de Deus, de Deus dará. Eu vou duvidar, negar, que se não dá, como é que vai ficar, negar? Diz que pega, diz que dá, que se servirá, não tem ponto que se negar, não tem ponto que negar. Que será que anda suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, que están en el mercado. Tu verás, tu verás, tu recommenceras, tu verás, tu verás. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Chico Buarque! Merci, merci. Alors, vous êtes l'un des plus célèbres musiciens brésiliens, Chico Buarque, mais depuis le début des années 90, vous avez ralenti votre production discographique pour vous consacrer à la littérature. Il y a deux romans qui ont été publiés en France, il y a Embrouille et Court-circuit. Et aujourd'hui, vous publiez chez Gallimard un roman qui s'appelle Budapest. Alors, c'est un livre d'une grande qualité littéraire, c'est vraiment... On peut comparer ça un peu à Borges ou, si on veut choisir un exemple européen, à Kafka. Alors, c'est l'histoire d'un José Costa, qui est à la fois le narrateur et le protagoniste du roman, qui se fait une gloire d'être le nègre des plus grands journalistes, des plus grands hommes politiques, des plus grands écrivains de Rio de Janeiro, jusqu'au jour où il fait une escale absolument imprévue à Budapest, et cette escale lui donne l'idée d'apprendre le hongrois. C'est quand même bon. Il a quand même une charmante professeure, quand même. Et donc, il a tellement envie d'apprendre le hongrois qu'il quitte le Brésil, la langue brésilienne, sa femme, ses enfants. Et dès lors, son existence va ressembler à un jeu de pistes linguistique et sentimental entre deux villes, deux langues, deux femmes et deux romans, dont il est l'auteur anonyme. Et il y a un troisième roman qui n'est pas de lui, mais qui lui est attribué et qui connaît un succès considérable. Et ce troisième roman s'appelle Budapest. Voilà. Donc c'est très intellectuel, c'est très cérébral, c'est très bien, vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Bravo. Merci. Vraiment, c'est bien. Alors, il y a des moments très cocasses. Par exemple, il y a le congrès
des écrivains anonymes à Melbourne. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que tous les nègres, enfin, ce qu'il appelle pas nègre, il appelle ça écrivain anonyme, se rencontrent à Melbourne. On va arrêter avec les nègres, même si c'est... Non, parce que sinon, je vais répondre au téléphone, tu vois. Oui, mon chéri, t'es arrivé? J'ai devant des rampes, quoi. VCF, d'accord? Voilà. Allez, dépêche-toi. Ça s'appelle la soirée tout seul. Allez-y. Le congrès des écrivains anonymes à Melbourne, c'est extraordinaire. Ouais, j'imaginais parce que il y a cette toute cette vanité retenue parce qu'ils sont très vaniteux de leur boulot. En même temps, c'est un boulot secret. Ouais. Alors une fois par an, ils doivent se réunir pour c'est comme une réunion des alcooliques anonymes. Voilà. Seulement qu'ils sont pas à la recherche de se guérir d'alcoolisme. Mais se guérir de l'anonymat pour une soirée. Alors ils changent, moi j'écris ça, moi j'écris ça, et là, finalement, quand il revient chez lui, quand chacun revient chez soi, il est plus calme, plus tranquille, peut se remettre à faire le nègre, le ghostwriter. Le ghostwriter, voilà. Alors, le José Costa en question, qui est donc le protagoniste et le narrateur du bouquin, il écrit un livre pour quelqu'un d'autre, parce qu'il écrit pour les autres, qui s'appelle Le Ginographe. Alors c'est Gino, la femme, graphe, écrire. C'est un type qui écrit sur le corps des femmes. C'est une très belle idée, ça. Il commence à écrire sur le corps de sa amoureuse, qui est une Thérèse, une mulâtre brésilienne. Mais elle, à la fin, elle est jalouse parce qu'elle dit « tu ne veux pas mon corps que pour écrire sur mon corps ». Alors elle le laisse. Ouais. Alors il commence à écrire sur la peau de l'autre femme. Mais les femmes sortent de sa vie, elles sont libres, se perdent. Ouais. C'est les pages qui se perdent comme ça. Et finalement, il y a une femme que lui apprend à écrire au contraire. Et comme ça, elle seule peut lire ce qu'elle a lu dans le miroir. Il finit le livre avec cette femme. Alors un jour, ce José Costa découvre, par sa femme d'ailleurs, qu'il parle hongrois dans ses rêves. C'est très beau, c'est très poétique, vraiment. Et alors il achète un billet pour aller à Budapest, et il devient à Budapest le meilleur écrivain anonyme du pays, donc de la Hongrie, et il relance même un grand poète local qui n'avait plus de succès. Oui, quand il essaie d'écrire comme il écrivait en portugais, il ne peut pas. Ouais. Et là, il découvre qu'il est poète en hongrois. En hongrois, il est poète. Il avait écrit tout en portugais. Un discours pour des politiciens, une publicité, un roman, faux roman pour les autres, articles pour les journaux, mais jamais de la poésie. Et en hongrois, il est un poète. Il se découvre un poète. Ouais. Il y a que sa petite amie, la professeure de hongrois, qui s'aperçoit que c'est pas très vrai. Elle lui dit, c'est marrant, ça a quelque chose de pas hongrois, le truc. Hein. C'est très... Oui, c'est... elle a très humour. Oui, elle a beaucoup d'humour. Là, il se fâche énormément, voilà. Il quitte la maison. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il est encensé, cet écrivain anonyme, est encensé pour un livre qu'il n'a pas écrit, donc le fameux Budapest. Alors ça, c'est vraiment un retournement de situation, d'une ironie extraordinaire, et à la fin, il se rend compte qu'il est dans le livre, quoi. Donc il y a quelque chose de vraiment... Bon, je me suis amusé à écrire ce livre. Ah oui, ça se voit, oui. Ouais. C'est chez Gallimard, ce qui n'est pas et une mauvaise... Et en plus, vous l'avez compris, c'est ça qui est formidable. Oui, j'ai compris. On n'a pas tout compris. Non, il faut lire, c'est très emballant comme ça, c'est pas du tout rationnel. C'est très proche de l'écriture sud-américaine, d'ailleurs. Oui, il y a un côté Marquez, il y a un côté Borges, il y a un côté... Juan Rulfo. Voilà, c'est exactement. Vous vivez où maintenant? À Rio. À Rio. Toujours. Et alors, commencez avec Lula, parce qu'ici, on a des... Voilà, je sais qu'à un moment, vous étiez assez proche du Parti des Travailleurs de Lula. Vous considérez comment son expérience du pouvoir? Ça va, ça va. Pas exactement comme on s'attendait, mais... Et les difficultés sont très énormes sur le plan social. En même temps, on attendait un désastre sur le plan économique, le désastre va arriver. Alors, on va attendre, il faut être un peu plus patient. Vous parlez très bien français, non? Vous passez beaucoup de temps en France? Je parlais mieux avant d'écrire ce livre-là, parce que avec le peu que j'ai appris de hongrois,
J'ai oublié les autres, le français, ouais. Même le portugais un peu. Et les françaises, vous les trouvez comment? Très belles. Voilà, Chico Buarque, Budapest, c'est édité chez Gallimard, mesdames, messieurs.